Voilà, désolé, le désagrément s'est reproduit. Nous aussi, nous retournons au ministère des Affaires étrangères pour parler de cette convocation de l'ambassadeur du Kenya suite aux propos tenus par le vice-président de son pays contre le peuple congolais, des propos quand même jugés désobligeants. Selon ce diplomate, ces propos n'engagent pas le gouvernement kenyan. Doris Mons. Nous avons un marché laitier qui part de la RDC, un pays qui a près de 90 millions d'habitants, mais qui n'ont même pas une vache, des gens qui dansent à tout moment. Les propos de l'ancien vice-président du Kenya qui ont fait le tour de réseaux sociaux sont malheureusement vrais. L'ambassadeur kenyan en République démocratique du Congo les a reconnus et a fait remarquer que c'est un point de vue personnel qui n'engage nullement le gouvernement de la République du Kenya. Convoqué au ministère des Affaires étrangères sur instruction du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapenapala, le secrétaire général par intérim des affaires étrangères, Kabo Ngongoi Joska, a reçu Georges Massafou, ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes venus voir le secrétaire général à cause de propos qui avaient été tenus par le vice-président du Kenya. Alors, il faut noter que le vice-président du Kenya a normalement quitté le gouvernement il y a 3 ans. Mais notre constitution ne permet pas au président de le virer. Alors, en ce moment précis, il gère un parti d'opposition. Alors, ce qu'il dit n'engage pas le gouvernement. Ce qu'il a dit ne représente pas le point de vue du gouvernement du Kenya. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Kenya sont historiques et même renforcées depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo au pouvoir. Si vous regardez la relation entre le président du Kenya, le président Uhuru Kenyatta et le président Félix Tshisekedi, vous vous rendez compte qu'elles sont, ils sont très proches. Ça, ce sont les relations qui existent entre la RDC et le Kenya. L'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, Georges Massafou, a remis au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères la note verbale contenant les excuses du gouvernement kenyan. Et par un communiqué de presse publié cet avant-midi, l'ambassadeur de Kenya a rassuré le gouvernement et le peuple de l'RDC que le Kenya continuera à encourager les citoyens des deux pays dans le partenariat solide alors que la République démocratique du Congo est à la porte de la communauté de l'Afrique de l'Est. Comme nouvel ambassadeur en Russie, le chef de l'État a nommé un diplomate de carrière qui a longtemps été au poste à Paris et à Anvers. Le professeur Yvan Vangungimbi doit travailler pour construire un pacte de confiance entre Kinshasa et Kremlin, un tandem qui revient au cœur de la géopolitique mondiale. Au moment où se jouent les grandes manœuvres pour un remaniement de la géopolitique internationale, la RDC, pays solution, doit jouer un rôle pivot. Dans ce contexte, en plus d'une expérience avérée, il fallait un diplomate au fait des enjeux internationaux, capable d'accompagner l'ambition du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour que le Congo, longtemps timoré, revienne aux premières loges. Yvan Vangungimbi, nommé au poste d'ambassadeur pour la Russie, est un diplomate de carrière. Originaire du Congo central, né en 1958, marié à Laetitia Elongo, pendant 12 ans, cet homme discret a été numéro 2 à l'ambassade de la RDC à Paris. La géopolitique est sa tasse de thé, au-delà du fait qu'il est professeur de sociologie politique à l'université de Kinshasa. Selon les analyses des grandes écoles stratégiques, Kremlin, dont la présence a été longtemps discrète, a levé depuis l'arrivée du président Poutine au pouvoir l'option de quitter la périphérie, où certains intérêts voulaient le confiner, pour revenir au cœur du dispositif de la géopolitique mondiale, sans oublier son ambition de faire désormais du business, à l'instar des autres acteurs internationaux. Cet ex-État de l'URSS dispose d'un fort potentiel industriel et technologique. Le Congo peut en tirer profit si de véritables partenariats sont établis.
C'est ce qui est attendu avec la nouvelle mise en place. Resserrement des liens, rassurer, sceller un pacte de confiance, saisir les opportunités pour diversifier enfin notre économie avec de nouveaux partenaires, sortir des sentiers battus pour innover dans le cadre d'une diplomatie de développement. Avec la RDC, la Russie entretient une mémoire historique. C'est l'un des rares pays au monde à avoir une université qui porte le nom du héros national, Patrice Emery Lumumba. Bientôt la tenue du 42e sommet des chefs d'État des pays membres de la SADC. En prévision de l'organisation de cette rencontre, les travaux préparatoires ont été lancés par le ministre de l'Intégration régionale, Vital Pagabita. La RDC met les bouchées doubles pour réussir au mois d'août 2022 la tenue du 42e sommet des chefs d'État des pays membres de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe. Pour cela, le ministre de l'Intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Mukanzu, a pris un arrêté mettant en place un comité de pilotage coordonné par Bestine Kazadi, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de coopération, et le professeur Claver Lumana, directeur de cabinet du ministre de l'Intégration régionale. Cette réunion a permis justement au ministre Didier Mazenga Mukanzu de donner aux membres du comité de pilotage des orientations claires pour une organisation efficiente du sommet ici à Kinshasa. Il y a des commissions qui vont travailler sous la responsabilité des coordonnateurs. Nous avions 6 mois pour préparer les assises le 42e sommet de la SADC ici à Kinshasa. Et chaque commission doit travailler pour relever le défi, pour que le chef de l'État et les officiels qui vont se déplacer soient bien accueillis ici à Kinshasa, comme dans nos habitudes, et bien organiser ces sommets. Et surtout, ça sera la fête. Nous allons prendre la présidence de la SADC. Pour rappel, le 41e sommet de la SADC a eu lieu à Lilongwe, c'est au Malawi, avec à la clé l'élection du chef de l'État de Malawi, président en exercice de la SADC, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président et président entrant de la SADC en 2022. Le 16 avril prochain, date retenue pour l'organisation de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur au Sankourou, le calendrier réaménagé a été publié. Patricien Séa, rapporteur de la centrale électorale, a aussi revendiqué l'autonomie financière de cette institution. Teti Samba, Hervé Poudi. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Mme Patricia Ntseya, a présenté ce mardi 15 février 2022 le calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankourou. C'était au cours d'un point de presse organisé au siège de la centrale électorale. Selon le porte-parole de la CENI, cette élection se déroulera donc le 16 avril prochain. L'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de Sankourou est arrêté conformément au calendrier en annexe de la présente. Outre la publication du dit calendrier, Madame le rapporteur a réagi aux questions d'actualité liées au processus électoral en cours. Quand on parle de l'indépendance et de l'autonomie financière, on parle aussi de la surfacturation des véhicules. Chers journalistes, je vais vous ramener à l'article 6 et 44 de la loi organique qui nous confère notre autonomie administrative et financière et aussi l'article 84 du règlement intérieur qui nous ramène au type de budget que la CENI a. Nous avons 4 types de budget, notamment le budget de rémunération, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et le budget des opérations. Selon Madame le rapporteur, ce sujet intervient suite à la réclamation de l'autonomie administrative et financière de la Commission électorale nationale indépendante. Tenke Fungurume est accusé de pollution de rivière Lualaba avec son entreprise de fabrication de la chaux. Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire de Lualaba, est venu alerter la vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Eve Bazaïba a annoncé la descente imminente d'une mission d'enquête. Chimène Dondo. La pollution des eaux des Kambombo était sur la table des échanges entre ces deux dames.
Madame gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, a évoqué le projet de construction des usines de fabrication et traitement de chaux et acides par la société Tekefungurume, accusée de polluer la rivière. Cette pollution a des incidences malheureuses sur l'environnement, de cas de maladies et de séchement de produits agricoles. Nous sommes venus sur place pour que nous puissions donner les rapports par rapport à cette pollution-là, ainsi que la construction de l'usine des chaux dont la société est en train de construire dans le contrée. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba, a attentivement écouté ses hôtes qui sont répartis avec des orientations pour une descente sur le lieu, comme l'a affirmé Mme Fifi Masuka. Puisqu'on est du côté du Katanga, il y a cette annonce du ministère de l'économie nationale qui informe toutes les autorités provinciales du Haut-Katanga, la FEC, la COPEMECO, la FENAPEC et tous les opérateurs économiques de la province du Haut-Katanga que le ministre de l'économie a décidé en date du 14 janvier d'affecter M. Mukuni Achien à Kinshasa en qualité de chef de division à la direction de l'inspection économique, commerciale et industrielle. Par conséquent, à dater du susmentionné jour, il n'engage plus le ministère de l'économie nationale dans la province du Haut-Katanga. Par ailleurs, tous les ordres d'émission et ordres de service ou tout autre document signé par lui après cette date en qualité de chef de division provinciale de l'économie nationale du Haut-Katanga sont nuls et de nul effet. C'est un communiqué officiel signé Guillaume Maler Mondekereza. Bilam, une société dans la filière textile purement congolaise qui va prendre ses marques, cet incubateur va bénéficier de l'encadrement de l'ANADEC. Un accord a été signé sous l'œil vigilant de Stache Mouanzi, ministre d'État aux petites et moyennes entreprises. Mireille Ndekesilovundi. Après la faillite des industries textiles en RDC, voici Bilam, cet incubateur textile qui sera bientôt implémenté en RDC. Œuvre d'une compatriote congolaise de la diaspora, Madame Valiandelela va expérimenter son talent à travers l'organe technique du ministère de l'Entrepreneuriat ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. D'où cette cérémonie de la signature du protocole d'accord entre la promotrice des établissements Kesho et les directeurs généraux de l'ANADEC, Ezekiel Bidoya, sous la supervision du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Mouhanzi Moudembe. Le développement des incubateurs au niveau de l'ANADEC, nous avons une approche dont l'objectif est de substituer tout ce que nous avons comme importation. Et donc nous avons d'abord premièrement ciblé la filière agroalimentaire, parce que nous voulons que tout ce que nous mangeons soit produit localement. Mais il y a également la filière cuite et maintenant la filière textile, parce qu'effectivement nous voulons que ce que nous allons porter en termes de chaussures, en termes d'habits, soit l'effet de la production nationale. L'incubateur va être comme un Fab Lab, donc on va disposer de toute l'infrastructure moderne pour à la fois créer des vêtements, mais aussi pour l'impression textile. C'est vraiment promouvoir l'industrie congolaise et lui permettre de s'externaliser. La filière textile, classée deuxième après l'agriculture en termes de création d'emplois en RDC, est une opportunité à saisir, a martelé le patron de PME. Maître Eustache Mouanzi a encore une fois réitéré ses encouragements à Mme Valiandelela, qui n'a pas oublié ses origines, en créant cette entreprise dans le souci de contribuer dans la lutte contre le chômage en RDC. Et ce, afin d'avoir des millionnaires de demain, la dénomination Kesho. Très bien. La femme monte en puissance en termes de responsabilité à l'université de Kinshasa. Le nouveau recteur Jean-Marie Kayembe imprime son rythme. Le panel des femmes salue ce nouveau vent. Redépenda. Le dynamisme managérial imprimé par l'actuel comité de gestion de l'université de Kinshasa qui veut une gestion participative sous la houlette du professeur docteur Jean-Marie Kayembe Ntumba ne peut en aucun cas laisser en marge la communauté estudiantine de cet alma mater en général, moins encore les panels des femmes où l'on trouve des professeurs
des chefs de travaux, assistants, administratifs et autres, ainsi que quelques professeurs, hommes genrés. Après des rencontres et des échanges entre les nouveaux dirigeants de l'UNIKIN et différentes associations ou organisations, œuvra en son sein le panel de femmes qui a observé cette bonne vision et la bonne façon de faire, voudrait aussi apporter sa contribution en vue de faire de l'UNIKIN la véritable mère nourricière au service de la société congolaise et porteuse de solutions. Christine Bosso-Sila, présidente de ce panel, pense que cette rencontre tombe à pic afin que l'UNIKIN bénéficie d'une gestion commune sans discrimination. En tant que membre du comité de gestion sortant, donc je reconnais que, en tout cas, le recteur est en train de réaliser de grandes choses. Alors il fallait l'encourager pour qu'il continue à aller dans ce sens. Il y a une grande signification parce qu'on oublie souvent les héros dans l'ombre. On voit le recteur devenir un grand homme aujourd'hui, mais on ne voit pas la personne qui a fait qu'il devienne cet homme-là aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons voulu honorer cette femme-là. Ce cadeau, ça cadre vraiment avec la signification de l'université, donc la mère nourricière. À la fin de cette rencontre de partage, tous soutiennent que 2021-2022 sera particulière à l'UNIKIN si le panel s'implique en tout et pour tout. Le développement à la base des 145 territoires, ce programme du gouvernement a besoin d'être porté par les populations bénéficiaires. François Robota, ministre du Développement Rural, revient d'un périple dans plusieurs villes du Nord et Sud Kivu. Jean-Pierre Ndolo Demazu. Goma, Massissi, Bukavu, le ministre d'État en charge du développement rural a foulé ce mardi le sol du territoire d'Ouvira dans le sud Kivu, ce après avoir parcouru 160 km qui séparent Bukavu d'Ouvira. François Robota est arrivé après plus de 5 heures de route, des étapes interrompues par un accueil réservé au fils du terroir. À Luvungu, c'est une foule immense qui a attendu depuis des heures l'arrivée du ministre d'État. Le numéro 1 du développement rural a tenu à s'adresser à cette population en l'invitant à interroriser le développement à la base prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui s'est engagé à développer à tout prix les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Même ambiance à Bouygera, où le cortège du ministre d'État a été stoppé net. Question pour cette population d'exprimer son amour vis-à-vis du warrior du gouvernement Samalou Kondé, le groupement de Lubérizi, plus précisément la cité de Sangué, n'est pas resté en reste. Comme un seul homme, cette population a exprimé sa gratitude au chef de l'État et à son représentant dans le gouvernement de Warrior. Après la cité de Sangué, François Robota s'est arrêté à Rumungu peu avant d'arriver à la cité de Kiliba. Là aussi, c'est un accueil chaleureux qui a été réservé à François Robota Masumbuko. Le ministre d'État a atteint finalement Ouvira à 16h, heure locale. Tout Ouvira attendait ce moment, d'où cette mobilisation à la hauteur de l'amour qu'il voue à François Robota Masumbuko. C'est une véritable marée humaine qui a envahi le centre-ville d'Ouvira. Tous les partis politiques confondus ont répondu à l'appel. Le ministre d'État a saisi l'occasion pour définir les grands projets d'électrification de Katogota et de Luvungu dont le lancement des travaux est prévu pour ce mercredi 16 février 2022. Une proposition de loi portant modification de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement des FARDC attend d'être retenue sur le calendrier de la session prochaine. Son auteur, José Mufula, élu de Goma, l'a réintroduit pour une seconde fois. Cédric Eninambo. Le taux des sièges, une décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour mettre fin au conflit à répétition et à la barbarie dans la partie est du pays. Et cela passe par la montée en puissance des FARDC, mais aussi par la contribution de chacun. José Mufula, élu de Goma et membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, a introduit auprès du bureau de la Chambre basse un rappel par rapport à sa proposition de loi modifiant la loi organique portant organisation et fonctionnement des FARDC. C'est une loi qui avait tenu compte des expériences passées et récentes de nos forces armées et l'importance géopolitique et géostratégique de la République démocratique du Congo. Mais il a en tout cas alourdi le fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo par la mise sur pied de deux chaînes de commandement et la création de nouvelles grandes unités. Il y a la chaîne de mise en condition, l'entraînement et la formation de troupes. Il y a la chaîne de mise en œuvre,
l'engagement et le déploiement des unités, nous avons suggéré à ce que l'on puisse revenir sur une seule chaîne de commandement, mais qui va combiner et la mise en condition et la mise en œuvre. Épris de patriotisme, l'élu de Goma travaille déjà sur une nouvelle mouture de la loi portant statut des militaires. Le jeune député national souhaite donc voir ces deux initiatives être programmées au calendrier de la session ordinaire du 15 mars. Digitalisation des opérations commerciales, protection des consommateurs congolais, l'OCC se met au pas. Ses agents viennent d'être formés à Kinshasa sur le e-commerce. Jacques Tchouabouamiji. Le siège de Bureau Veritas Bivac BV dans la commune de la Gombe a servi de cadre à l'organisation de cet atelier de formation de cadres et agents de l'OCC de Bivac sur le commerce électronique. Le directeur général de l'Office congolais des contrôles qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier, Gabi Lubiba Mampouya, tient à la qualité et à la compétence de son personnel pour faire face aux enjeux du commerce international. Les participants à cet atelier de formation sont appelés à s'adapter aux importantes mutations marquées notamment par l'expansion croissante de la digitalisation et des interconnexions des opérations commerciales dont les revenus mensuels mondiaux ont atteint 139% en 2019 et en 2020 a connu une augmentation de 35%. Et nous, en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité, nous devons nous adapter à l'évolution internationale. Et aujourd'hui, dans ces commerces, nous avons fait appel à nos agents qui s'occupent de l'exploitation et des compteurs des importations pour qu'ils s'imprègnent des nouvelles procédures de contrôle afin de mieux protéger la population, à consommer des produits de qualité et aussi éviter la concurrence déloyale. C'est cet environnement international du commerce qui a justifié la décision commune de l'OCC et de son partenaire Bureau Veritas Bivac BV d'organiser cet atelier de formation dédié au commerce électronique ou e-commerce. Des soupçons de détournement sont signalés au Sisiba, centre de civilisation bantou dont le mandat est assuré par la RDC avec siège à Libreville. Retenu à Kinshasa pour raison de maladie, son directeur général Manda Tchéboa a alerté la ministre de la Culture venue lui rendre visite, Georges Frédéric Ndibou. Le directeur du Centre international des civilisations bantou Sisiba, le professeur Antoine Manda Tchéboa, souffrant à Kinshasa, dénonce avec la toute dernière énergie à son domicile au cours d'un échange avec la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Catherine Katungufura une mégestion en son absence au sein de cette institution de recherche, des documentations et des formations dont le mandat revient à la RDC. Présentement, a-t-il indiqué, plusieurs abus sont commis par des autorités gabonaises à l'endroit de son personnel et de la communauté par non-respect des textes légaux et a fait par la même occasion état d'un détournement de plusieurs centaines de millions de francs CFA provenant des cotisations des États membres avant d'exiger auprès des autorités congolaises une implication en vue de palper du doigt les réalités sur la gestion de cette institution en son absence. Par ailleurs, le professeur Manda a exprimé sa gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement pour lui avoir assuré une meilleure en charge médicale à l'hôpital du cinquantenaire. A cet effet, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungufura, a rassuré à son interlocuteur de l'implication du gouvernement de la République afin de trouver des voies et moyens en vue de répondre à ces différentes revendications liées notamment aux conditions de vie, de salaire et des primes ainsi que de la mégestion. Le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, porte à la connaissance de la communauté nationale que la dépouille mortelle de M. Benoît Luamba Bindou, premier président émérite de la Cour suprême de justice, président honoraire de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, décédé à Bruxelles le 17 janvier 2022, sera rapatrié à Kinshasa, RDC, terre de ses ancêtres, demain, jeudi 17 février 2022 à 19h, via l'aéroport international de Ndjili. À cet effet,
Un comité d'accueil composé des officiels et de la famille sera sur place pour l'accueillir et l'acheminer au lieu réservé, et ce en attendant les cérémonies des hommages officiels qui se tiendront au palais du peuple à une date qui sera communiquée incessamment. Hormis les chefs des corps et aux magistrats des hautes juridictions et offices y rattachés, les autres magistrats qui seront présents à l'aéroport pour l'accueil sont priés d'être en tenue professionnelle afin d'honorer l'illustre disparu. C'est signé Dieudonné Kalouba Dibois, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Politique pour terminer, Shadrack Baïchoura, élu du Nord Kivu auprès de son électorat en vacances parlementaires, il les a appelés à soutenir les FARDC, soutien aux institutions dont le président de la République, Eric Kabamba Kongolo. Tout un mois auprès de sa base électorale pour non seulement se rendre compte des problèmes de ses électeurs, mais aussi rendre compte sur ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale au cours de la session de septembre, devoir de redevabilité oblige. Le député national Shadrack Baïchoura a commencé tout d'abord ses vacances parlementaires dans les territoires de Béni où se déroulent actuellement les opérations militaires conjointes dans le cadre de la mutualisation des efforts entre les FARDC et l'armée ougandaise contre les rebelles des ADF. Satisfait de la prouesse des FARDC qui continue d'enregistrer les succès au front, l'élu de ses coins a appelé la population à continuer à soutenir nos vaillants militaires. Et sur place, il a échangé avec les différentes couches socio-professionnelles, notamment les forces de défense et de sécurité, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, la FEC, les organisations féminines et de la jeunesse, sans oublier les animateurs des partis politiques. Dans son message, il a surtout invité ses interlocuteurs à soutenir le président de la République et les gouvernements dans les actions destinées à ramener rapidement la paix et la stabilité dans la région de Béni et en Ituri, notamment dans la mutualisation des forces entre les FARDC et les UPDF dans la traque des ADF et implémentation du PNDDRCS. Les centres de santé de référence de Luanoli en chefferie de Watalinga et du centre de santé de Kizunga dans la chefferie de Bachou, brûlés par les présumés ADF, ont été visités par les députés nationaux Shadrack Baïchoura qui a voulu se rendre compte de l'ampleur du dégât. Choqué, il compte saisir les autorités compétentes pour la réhabilitation rapide de ces différents centres de santé. Voilà, c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Toutes nos excuses pour les désagréments. L'actualité revient à 23h à la présentation. José Baïtouambo, Sandra Nyangitabou, demain à 20h. Au revoir.